Eh bien salut toi, 11e épisode de Astrobot sur PS5, toujours la constellation numéro 5. Merci à tous ceux qui étaient là pour les lives, merci à ceux qui regardent la série, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ah, ça va être un peu compliqué là. Non, ça va. Je rappelle, faut d'abord détruire tous les petits et après le grand. Et let's go! Encore un monde de génie? On verra bien. Yes! Ah bah je sais, ça va être le bouton là, non? Ouais, le bouton croix, on l'a pas encore fait. Il y a sûrement un truc à gauche, mais ce sera pour plus tard. Bref, Luna Sola! Ça a l'air vraiment trop cool. Je me demande plus quel pouvoir ils vont nous donner là-dedans. Oh! Mais d'ailleurs... Ça me rappelle un truc, ça a peut-être rien à voir, mais... On n'a pas eu de référence à Little Big Planet. Peut-être que ça va être le niveau spécial de ce monde. Il y a moyen, parce que Little Big Planet, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Mais là, c'est pour le coup une licence Sony, très Sony. Hein. Financée par Sony, exclue Sony, sortie que sur des consoles de Sony. Il peut pas ne pas y avoir Little Big Planet. C'est certain. Et donc peut-être qu'on va débloquer Sackboy, genre en battant le boss. Et qu'après, il y aura un niveau avec Sackboy et tout. Oh! Oh, trop bien! Moi j'aime trop ce genre de gimmick. Par contre laisse mon pote tranquille. Yahoo! Donc les deux persos Sony ici. Quoi? Alors vous voulez qu'on se batte? Ok, va falloir faire bien attention hein. Parce que là je l'ai vu au loin. Il était par là-bas. Mais il était bien caché non? Il est où? Comment on fait pour l'avoir? Ah bah, ok d'accord, ce genre de truc se casse. Quoi? J'ai recommencé le niveau et ça m'a laissé le robot que j'avais eu? C'est un peu simple hein. Mais si vous voulez. Oh, oh, oh non, mais est-ce que le robot va quand même être... Non? Est-ce qu'il va quand même y avoir le robot affiché? Genre juste pour nous donner un bonus à la place ou je sais pas quoi. Ah oui, oh, oui oui. Ok, il y a une médaille du robot à la place. Ok ok, donc ça va être très rentable de refaire les niveaux qu'on n'a pas fini à 100% hein. Par contre ça nous indique pas le numéro. C'est un peu dommage. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième pour te repérer dans ceux que t'as oublié. T'es un méchant toi? Non non, non, non c'est notre pote apparemment. Je viens de remarquer que les grosses pièces, elles donnaient 3 pièces et pas 10. Eh bah dis donc. Ok. Allez, c'est pas la suite là, hein. On est d'accord. Non, c'est pour avoir lui. Bye! Hein? Who the fuck are you? Mais c'est une carte postale? Enfin, c'est une lettre? De quel jeu viens-tu, mec? Je ne sais pas, mais bon, il existe, il est là. Là, j'ai pas du tout les refs. Hein. Ok, mec, t'étais trop nul, hein. Ok. Oh oh, j'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'aurais pas dû. À mon avis, ça me fait louper un truc. Y a un vortex? Non, bah non, il y en aura plus, je pense. Ok. Non, mais attendez-moi, hein. On dirait des cubes Minecraft, mais rien à voir, hein, vraiment. Hein. Ah bah non, j'ai peut-être rien loupé, hein. Thank you. Par contre, le fait d'avoir 0 pièce de puzzle, ça c'est un peu dérangeant. J'en ai peut-être vraiment loupé une. On verra quand on en aura, mais... Ah oui, si, je me souviens. Vas-y. Ils aiment trop ces musiques goofy. Ça me donne vraiment l'impression d'être sur Cuphead, c'est une folie. Voir ce... En vrai, on dirait la musique du premier monde de Conker. En fait, le jeu, il fait très rare. Hein. Comme j'ai dit, c'est obligé que les gens qui ont développé ce jeu, ils aiment Banjo-Kazooie et Conker. Ils doivent aimer rare. De toute façon, quand tu veux faire un jeu de plateforme 3D, c'est simple. Tu dois t'inspirer de Mario.
parce que Mario c'est les meilleurs jeux de plateforme 3D du monde. Et tu dois aussi t'inspirer quand même de Rare, parce que Rare ils ont fait des bangers à l'époque sur la 64. C'est même pas vraiment discutable quoi. Ok, quoi, pièce de puzzle? Ni rien du tout. Ah non, ok, on continue par là. Ah 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 ah! Yes! Mais c'est trop bizarre! Je... Quoi? Tu m'as fait quoi, toi? Attendez, par contre... On l'a activé, ce truc? Je ne sais pas. Ah, mais non, mais on va l'activer maintenant. Ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu me donnes? Ah! Si je jette dans le vide, est-ce qu'il s'éclate quand même? Non? Bon bah ouais, mais la vie est faite d'expérience, les gens. On essaye, et puis ça foire, et puis... c'est pas grave, c'est pas grave, je resterai pauvre. Savez-vous? Ok, ok... Youhou. Je sais pas si je les active trop tôt quand même les boutons hein. Mais c'est des dinosaures. J'ai jamais été fan des dinosaures, même quand j'étais petit. Apparemment il y a plein de garçons qui sont trop fans des dinosaures, moi ça me paraissait... Hein? Oui mais il y avait bien un truc qui avait sauté, c'était pas dans ma tête. Ça n'a rien à voir, de toute façon c'était là où on était donc... Oula, oula. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait Ronaldo derrière là? Mais... Voilà. Il y a un truc là, c'est obligé. Attendez. Comment je descends? En plus on entend un bonhomme. Ah non, par contre c'est peut-être quand je vais retourner le monde. Ça va mettre de l'eau. Oula! Mais je peux pas sauter là, pas jusque là. Il va peut-être tomber dans l'eau, non? Ou disparaître? Ah non, il s'est retrouvé là-bas, c'est lui? Il est où le dino là? Qui avait sa bouche ouverte, j'en sais rien, on dirait il est parti. J'espère j'en ai pas loupé. Oh. Ah, ok, d'accord. Non, c'est bien lui, très bien. Ouf, plus qu'un. Et plus que deux pièces de puzzle. Ah, attendez. Je vérifie, hein, on sait jamais, mais il y avait rien du tout. J'ai pas besoin de la dynamite à l'avance, non. Salut. Il est sorti d'où? Il est arrivé du vide. Oh, Wiggler. Est-ce qu'on peut le taper comme ça? Non, on va même pas essayer. Parce que je pense pas. C'est une blague. J'en ai loupé très peu. Allez. Mais je vois rien. Attendez, mais ils abusent. Ça va être difficile de l'avoir là, le Wiggler hein. Ah bah non. Dit-il alors qu'il l'a juste après. Très bien. Fesse, licitation, Cabano. Par contre, on récupère beaucoup moins de pièces que sur les autres niveaux, hein. Ce qui ne me plaît pas du tout. Attendez, je tombe où là? Pas dans le vide. Va être enfin un niveau qu'on termine à 100% du premier coup. Bah, c'est vrai que non, dans ce monde, il y en a eu quelques-uns. Enfin, ce serait le deuxième. Bon, sur 3, donc ça fait une bonne moyenne, quoi. Waouh. Attendez, mais ça, on l'a pas activé. Ah, mais ok, j'ai compris. En fait, en le retournant, on a cassé le truc. Ah, fallait être... fallait bien surveiller, hein. C'est un petit peu vicieux. Il y a des trucs en bas. Et dans l'arbre, non? Non, sûrement pas. Mais ça, normalement, il faut... Faut le pousser, non? Oh! C'était pas du vide. Et il n'y avait pas besoin de le pousser. On dirait fesse vite fait, en fait, cet endroit.
Ils avaient un skin de lapin, mais c'était pas des lapins. Et ils bondissaient pas. Je pense que c'est quand même vite fait une ref à Fez, non? Vu qu'en plus tu modifies la perspective, bon, pas de la même façon que dans Fez. Mais je pense que ça doit être fait exprès. Là, ça paraît un peu trop pour être une coïncidence. Inutile. Oh oh oh. Mais le méchant, il a vraiment créé des ennemis en disant vous allez servir à rien, vous pouvez même pas lui faire de dégâts, mais allez-y, existez. Zula 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 Sackboy. Bah alors non, il y aura pas de niveau basé sur Sackboy, mais effectivement, genre ça me l'a rappelé dans ce niveau. Et donc il était bien là. Donc Sackboy, hein, on rappelle, le perso de Little Big Planet. Mais donc qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme dernier niveau en vrai? Par contre, je suis toujours choqué qu'on ait pas Lara Croft. Ça m'étonne. Bah, on a pas terminé tous les niveaux, hein. Mais ça me semble étrange. Ils ont peut-être juste pas eu les droits, hein, c'est tout à fait possible. Vu que ça leur appartient pas vraiment. Enfin, maintenant, c'est à Amazon, en plus, je crois. Mais attendez, mais il y a aussi moyen que... Ah, mais non, mais il y a eu aucun perso de Final Fantasy. Ouais, donc en fait, il y aura pas Kingdom Hearts, quoi. Enfin... Après, peut-être qu'on a juste pas trouvé deux niveaux Final Fantasy, mais qu'il y en aura, hein. Ok, de toute façon maintenant on s'en fout de tout récupérer puisque... Enfin on s'en fout des secrets puisqu'on a déjà tout. Faut juste arriver à la fin. Allez. Ah mais c'est trop loin. Flemme. On arrête. Je m'en fous. Je me demande vraiment si tu peux le terminer le jeu. Sans faire ça. C'est vraiment une question que je me pose. Je pense qu'il y a des fous qui vont tenter ça en défi. Hein. Oh oh. Oula oula. Non non, elle a l'air gentille. Elle nous a vomi des plateformes, c'est très sympa. Moi je trouve ça toujours étrange quand les gens représentent des étoiles plus petites que la lune. La lune est minuscule hein, par rapport aux étoiles. Hein. Bref, et bien voilà. Un autre niveau de terminé à 100%. Eh mais attendez. Comme dans Yo-Kai Watch. Regardez les lapins là. Ils font des gâteaux de riz sur la lune. Parce que je vous avais déjà expliqué ça. Mais les japonais ils pensent quand on... Enfin ils pensent pas mais c'est une superstition qui date. Quand on regarde la lune avec les cratères et les ombres, on peut distinguer, selon les mythes japonais, un lapin qui est en train de faire des gâteaux de lune, des mochi sur, enfin, de la pâte à mochi si on veut, sur la lune. Et c'est référencé dans plein de jeux japonais hein. Bah, même plein de trucs, genre vraiment, les exemples n'arrêtent pas. Sailor Moon, Sailor Moon. Genre, pourquoi elle s'appelle Usagi, qui veut dire lapin, et c'est la protectrice de la lune, parce que, pour ça. Pourquoi dans Yo-Kai Watch, à la fin du Yo-Kai Watch Blaster, ils partent sur la lune et il y a des lapins qui font des gâteaux de riz. Pareil, et bah là, c'est exactement pareil. C'est vraiment un truc qui est répandu au Japon. En vrai, je pense qu'il va pas y avoir une autre comète qui va apparaître pour l'instant. On verra plus tard. Alors, piratage explosif ou saut en orbite. Oh non! Oh non, mais c'est un jeu pour enfants et vous parlez de bites! Et moi, dès que je fais ça, on me dit qu'il y a 22, il y a des enfants ici! Et ma bite! Voilà, alors, eux, ils peuvent dire saut en orbite, moi, je peux pas dire et ma bite! Voilà, c'est l'injustice. Bref, c'est parti pour le saut en orbite. Une bite en or en plus, hein, waouh! Oh oh! Reviens là, reviens là, reviens là! Tu vas revenir ici, je vais te niquer ta mère! Voilà, merci, c'est bon, on l'a. Alors, pas de vortex, on est d'accord? Oui, what? Y'a que des persos Sony ici. Alors là, c'est vraiment Mario Galaxy. Mais Mario Galaxy, s'ils avaient voulu faire des graphismes un peu réalistes. Ce qui est très étrange. C'est uncanny. Non. Le rouge, il sort ses pics tout de suite. Faut pas oublier. En fait, il a la chiasse, il fait... Et y'a ses pics qui sortent, voilà. Nous, quand on fait ça, y'a le caca qui sort, mais lui, c'est ses pics. Mais Kirben 2, t'as combien d'âge mental? T'as 32 ans, on dirait t'es un enfant. Mais c'est bon. On dirait, quand on grandit, on a pu avoir du fun avec vous. C'est qui lui? C'est qui mec? T'es un random, personne te connaît, un pilote de prototype. Ok. D'accord. Oh. Bien sûr que la fin du niveau allait pas être là. Tu crois vraiment que je pensais qu'elle allait être là? Tu crois que t'allais m'avoir au tout début du niveau comme ça? Wouhou! Oh oh. C'est vrai que ça doit faire quand même un monde qu'on a plus de nouveaux ennemis.
Donc les gens qui critiquent la variété, bah ouais, bon, on arrive à la fin de la variété des ennemis, mais on s'en fout, ils sont quand même tellement cool. C'est pas grave. Allez, bye. Oula! Waouh! Et moi, j'y allais comme ça en mode tranquille, je vais me les faire et yes! Un poulet dans l'espace. Ok. J'ai rien loupé, hein. Et parce que là, j'ai l'impression que j'ai quand même fait un long chemin sans rien attraper. On va dire que now. Sinon, je saurais un peu où faire demi-tower. Et normalement, je suis censé pouvoir marcher là-dessus, mais là, ils ont décidé que no. On dirait des algues. Il n'y a pas d'algues dans l'espace. L'espace, c'est pas de l'eau. Mais c'est vrai que c'est un trope connu dans la... Genre dans les jeux et tout, de considérer que dans l'espace... Genre c'est un peu comme dans l'eau parce que tu peux pas respirer. Et que genre tu peux voler entre guillemets. Enfin, en fait ça a littéralement rien à voir. Coucou les Shiba. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vous voulez quoi là? Oh oh. Ah non, ok d'accord, vas-y ramasse. Déjà? Une zone annexe dès le début? Attendez, j'arrête la gravité là ou je fais quoi? Ah! Et pourquoi genre ça arrête la gravité de tout mais pas la mienne? Ok. Mais tire! Oh! D'accord. Retombez, retombez, j'ai besoin de vous là. Par contre je dois acheter ça sur quoi? Pas sur les vitres! Vous savez que c'est très très dangereux! Si je fais ça on va être aspiré. Et on va mourir en fait. Ah bah non c'est pas ça. Bah vous voulez qu'on en fasse quoi? Ah! Bah fallait peut-être me l'afficher dès le début non? Totototom. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Attendez mais... Ah bah oui mais non mais... Quel débile. Voilà, merde. Mais d'où vous venez les mecs là? C'est quoi votre jeu? Un jeu de pilotage intergalactique là? Tu m'étonnes qu'il va y avoir plein de bonhommes sur ce niveau. Ils ont tous la même gueule. Ils ont juste pas le même motif sur leurs vêtements. C'est des PNJ. Enfin, après c'est littéralement des PNJ mais bon. Faut pas leur dire, ça va les gêner. Ah. Et y'a pas un terme comme Dogo mais pour les serpents? Parce que je les hais. Ok, merci. Et donc là y'a du truc mais ouais c'est sûr. Oh oh, salut salut salut. Mais attendez mais c'est F0. Oh. C'est Wipeout. C'est ça, oh. Ah bah désolé pour ta bagnole hein. Mais oui c'est Wipeout, c'est ça non? Je crois que Wipeout c'est un peu comme F0 si on veut, mais chez Sony. Je connais toutes les licences Sony, c'est une blague. Je connais toutes les licences sauf les trucs les plus connus. Wipeout c'est connu, mais genre il y en a pas eu depuis longtemps je crois. Ok. Mais je jouais sur Wipeout. Enfin, je jouais à Wipeout sur quoi? Sur Play 2 hein je pense. À mon avis. Non non non, dégage. Ouais c'est bon. Oh non 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 non. Il a enlevé les vaches. Il a enlevé la vache. Comme dans Majora's Mask. Référence. Non je pense pas. Ah. J'en ai marre de ce genre de bloc. Ok. Est-ce qu'on va arriver à 2000 pièces avant la fin du niveau? Il faut hein. Oh non non non, je vais pas attendre 3 heures hein. Oui j'y vais. Comment ils sont grave cool les niveaux, j'en reviens pas, comment c'est fun. Non, non, non. Ah ça va être un peu plus compliqué, non? Pas vraiment. Puisque je suis tellement fort. Attendez. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on avait eu 0 pièce de puzzle. Tu fais quoi, là? Je dois aspirer les projectiles et les relancer? Ok, je me suis enfin vengé de ces grenouilles de merde. Je les détestais.
Par contre, faudra m'expliquer pourquoi tout est en apesanteur. Genre, vous voyez, il y a de la gravité pour rien sauf pour nous. Nous, on tombe. Mais le reste, non, c'est tranquille. Vas-y, moi, je veux toutes les pièces. J'aime trop l'argent. Et vu que vous m'en donnez pas... Oh, oh, oh. Il y a un truc derrière, non? Non? Il y a un truc derrière. Ok, bye. Ah bah voilà! Ok, toujours rien loupé. J'ai vu qu'il y avait un autre truc en haut. Hein. C'est pas fini. Ah mais c'est un peu loin là. Vous voulez qu'on y monte comment? Attendez, peut-être que... Peut-être que... Non! Non mais ça par contre c'était pas clair. En fait je pense que c'est juste pas par là qu'il faut passer. Mais genre comment vous auriez voulu que je le sache? C'est bizarre aussi que quand tu meurs, les ennemis que t'as tués restent tués. Genre c'est sauvegardé ça. Étrange. Bah ouais mais non. Parce qu'il y a toujours un truc en haut hein. Peut-être qu'il faut passer de l'autre côté, j'en sais rien. Ah, j'ai vu. Ah, vous me faites pas peur, vu que je sais comment vous buter. Bah, mais surtout qu'en plus, il suffisait de rester sur le côté, mais si tu veux. Encore ? Les sas de décompression, ils sont pas très sécures. Hein. Vraiment, j'aimerais pas être dans l'espace dans ce genre de truc. Vous savez que dans l'espace... Si vous allez genre dans le vrai espace là, comme ça, et bah vous mourrez pas d'asphyxie. Genre c'est pas l'air qui manque qui vous tue. Genre vous mourrez de plein de trucs bien avant que... Enfin y a tellement de trucs qui vous tuent avant que l'air puisse être un problème. Enfin que le manque d'air puisse être un problème. Déjà la pression. Je crois que la pression ça te tue quasiment immédiatement. Ok. Enfin le manque de pression justement. Je crois que t'éclates, t'exploses c'est tout. Bah d'accord, ok, merci. Il y a le froid aussi, il fait super froid dans l'espace. Hein. Je sais pas. Puis il y a aussi les... Comment les différents... Ok, non, lui, c'est vrai qu'on l'a sauvé. Genre les ondes. Les ondes cosmiques, les radiations cosmiques. Je sais pas ce qui tue en premier, en vrai. Bonne question. Okay, très bien, et là... Yes! Et bien, dis donc... Cet ennemi pièce là on le voit pas souvent mais quand on le voit c'est souvent crisant hein. Quoi? Ok ok très bien merci. C'est un peu effrayant ça hein. Merci. Attendez mais non mais oui. Mais non mais oui. Mais il y avait évidemment un truc. Il essaye d'attraper les étoiles. Reach for the star. C'est dans Sonic, non? C'est une musique de Sonic, je crois. Ok, let's go. J'étais sûr qu'il ait posé un petit problème. Heureusement que tu réapparais juste à côté. Mais en fait, là, il y a deux ennemis crisants. Hein. Un qui te balance du feu et un qui te balance du poison. Après... Oh, ça. Je suis pas obligé de les tuer, hein. Je peux juste me barrer. Voilà, je t'ai épargné. On se reverra. Si Dieu le veut. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est bon! Ah bah non, c'est pas bon. Non bah enfin il en reste un quoi. C'est bon. On va l'avoir probablement bientôt. Ce niveau était cool. Pourquoi c'est toujours les meilleurs niveaux que je termine à 100% du premier coup? Ceux qu'on ne refera plus jamais. Ah merde. Oh c'est bon. J'ai mis du temps à réagir quand même. Y'a rien. Mais il manque un mec hein. Uber faux? Comment ça Uber faux?
J'ai pas le jeu de mots là, je capte pas. Attends, mais c'est des explosifs. Ah oui, mais après faut que je l'attaque comme ça, je pense. Comment t'es trop nul? Comment t'es éclaté? Il a pas vu depuis le début du niveau que j'avais une poule avec moi là? Yes! Ok, troisième coup. C'est bon? Pour moi j'étais totalement à côté, mais si tu veux. Ah ben non, 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 non. Non? Bah je vais être obligé de refaire le niveau parce qu'en fait il me manque un perso. Mais où est-ce que je l'ai loupé? Parce que là en fait, quand t'as battu le boss comme ça, je crois que tu peux pas repartir. Et ouais non, oh non. Bon bah on va être obligé de refaire le niveau. C'est pas grave, il était bien ce niveau. Je me plaignais il y a 2 secondes. C'était le karma. Où est-ce que j'ai pu le louper? On verra bien. Wow. Ah bah j'ai foncé direct, c'était bon. Yes, 500 pièces au moins dans chacun des niveaux. C'est nickel, nickel. Et en plus c'est pas terminé. Il y a le niveau des pirates, One Piece. Et après le boss. C'est parti pour le niveau de One Piece. Piratage explosif. Haha. Imaginez, il y a un skin Luffy. Ah ouais, non mais c'est des pirates de la mer de lave. Oh, merde. Mais est-ce que dans One Piece il y a des mers de lave? Wow, wow. Quoi? Oh bah d'accord, ok, très bien. Je pense pas, le bateau de toute façon de Luffy et tout, il serait mort dans la lave. En vrai, ce serait marrant. Parce que je sais qu'ils sont allés dans les profondeurs de l'eau, ils sont allés dans le ciel. Donc en vrai, peut-être, hein. J'ai de l'eau à l'infini? Si j'ai de l'eau à l'infini, ça va, parce que ça, ça va pas m'amuser. C'est des méchants, là, eux, ou c'est des gentils, les oiseaux de feu? Ah mais attendez, mais mince, en fait ça disparaît. Ok, donc on va pas faire n'importe quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, on dirait que c'est nos potes, les oiseaux, là. Ah, et la boule, elle peut aller dans la lave. On teste. On teste. On a la réponse à notre question. Au moins, on réapparaît juste là, donc ça va. Ok, ok. C'est quoi là-bas? Quoi? Non mais attendez, mais c'est une blague. Mais on dirait qu'il y a des bonhommes sur les côtés. Bon, c'est le genre de niveau où tu dois pas t'arrêter pour regarder aux alentours. Hein. Sinon, tu te fais canarder. Eh mais c'est des nouveaux ennemis, eux. On les avait encore jamais vus. Et c'est comme ça qu'on les tue, ok? Ça paraît assez logique. Ah, attendez, mais c'est super dur. Peut-être que quand t'es en boule, t'es invincible. Ça doit être ça le délire. Quand tu te mets en boule, ils peuvent sûrement pas te faire de dégâts. Voyons voir. Oui, ok, ok. C'est bon, je peux pas les sauter dessus. Ah non, je suis obligé de faire comme ça. Et... Ouais, j'avais compris, hein, merci. J'en avais déjà tué un. D'accord, pas de vortex. Ouais. Comme j'ai dit, je sais pas où il pourrait mettre le niveau du vortex, même s'il y en avait un. Calmos, hein. Ah mais après il est fatigué le pauvre. Bah fallait pas essayer de me buter. Déjà je t'aurais pas tué. Et en plus t'aurais pas été fatigué. On ne loupe rien, hein. On est d'accord. Par contre je croyais qu'on allait être dans un niveau de pirates. Et ben pas du tout. Par contre on est dans un niveau de pire. Parce qu'il est horrible. Bon bref, c'était pas drôle. Oula oula, mais il dormait. Mais attendez, mais c'est la... Non, c'est pas la suite. Eh, hey, what? Vous allez me dire qu'il peut pas me bouffer quand je suis en... comme ça? Ah ouais. Bon, ouvre la gueule, non? Ah, ok. Ça a dû lui faire mal, hein. Je suis désolé, mon pote. Oh, des petits dragons! D'où vous venez? Et toi, d'où tu viens? Explorateur de l'archipierre. A tendance à voir le monde en noir et blanc. Un jeu en noir et blanc où tu joues un chevalier. Ça ne me dit mais rien du tout. Là vraiment rien du tout. À moins que j'ai mal compris ce qu'il disait. Mais vraiment là ça me paraît très nébuleux. Pim. Ah bah voilà. On est enfin dans un truc pirate. Attendez, mais il est en train de s'effondrer le truc ou... Mais oui oui oui.
Oui. Vas-y, hein, on perd pas de temps. Je dis on perd pas de temps. Pour faire quoi? Perdre du temps. Ok. Ah mais ça aussi ça s'effondre. Ah mais c'est vraiment très très méchant. Ah mais je passe comme ça. Ok, je voulais attendre mais ça n'avait l'air de faire et rien du tout. Ces ennemis à chaque fois ils vont m'avoir hein. C'est pas possible. Faut que tu comprennes que tu peux pas m'avoir à un moment quand même. Et lâcher l'affaire. Oui, les souris. Je savais qu'il y avait un truc ici, c'était pas la peine de m'indiquer le chemin. Oh, mais c'est le boss qu'on a buté dans l'autre niveau de pirate il y a très longtemps. Et donc, en gros, quand on l'a buté, sa tête, on l'a envoyé au loin. Et elle est venue là. Mais attendez, mais c'est un jeu de société, ce truc. Vous savez où tu dois mettre les épées là-dedans? Et en fait, à un moment, et ben genre, le truc, il saute, non? Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Et je connais ce jeu. C'est là, non? Ah, ici. Okay, là, il va sauter, je pense. Mais le pauvre. Il avait survécu à sa défaite. Et là, il était tranquille ici. Et on est venu, on l'a buté. Ça me fait de la peine, en même temps, fallait pas être méchant. Fallait pas avoir essayé de me tuer l'autre fois. Plus que 300 pièces pour qu'on continue notre moyenne de 500 pièces par niveau. Hein. Donc le niveau, je compte sur toi. Fais pas n'importe quoi. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ok. Mais je sais pas en quel alliage on est là. On est en adamantium ou je sais pas quoi. Parce que waouh. Ok. Je sais même pas si je peux les détruire. Parce qu'on dirait qu'en sautant je fais des trucs. Bon bah bon ouais là-haut c'est sûr il y a un truc. Vas-y. Oh oh. Ah ouais toute une nouvelle zone là carrément. Ah oui petite zone bonus. Désolé les oiseaux je vous ai fait peur. Ah! C'est nouveau, il nous a jamais. Bon, moi j'ai survécu. C'est une blague! Mais je suis trop fort ou c'est comment? J'ai réussi à pas mourir! Bon, là par contre, pas à chaque fois, pas à chaque fois. Pourquoi vous me ramenez à l'extérieur? Ah, peut-être parce que si c'est trop dur, genre comme ça, tu dis ah non, non, j'arrête, hein, c'est bon. En fait, tu peux faire des skis de fou. Ah, c'est juste ça? T'es qui toi? Tu viens d'où? Elle a même pas Dieu. Ou il a même pas Dieu, on en sait rien. Gardienne du Nexus, ne vendra pas vos âmes au diable. C'est quoi le Nexus? Sus, Amogus. À chaque fois, faut se renouveler, Kirbendo. Vas-y, on se barre. D'ailleurs, ouais, deux. Oh oui, non, non. C'est Luigi. En plus il est vert. Imaginez ils l'ont mis vert exactement pour faire une référence à Luigi's Mansion. Bah après faut pas non plus voir des références partout ouais. Tout de même. Oh non. C'est bon. Vous êtes tellement crétins. Ça me tue. Ça me tue comme ils sont cons. Les... Non, non. Alors, là, il y a un truc, si tu vas en dessous, c'est une certitude, mais c'est peut-être la suite. Alors, n'y allons pas maintenant. Ah bah non, pas... ouais, si. Il n'y a pas un bonhomme qu'on loupe, là, hein, dans l'arbre. Non. Bon, allez. Wouhou. C'est tout ce qu'il nous reste, c'est deux persos, ouais. Ok, non, 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 pas tout de suite. Oh, bah, salut. Ça fait trop de la peine de voir les autres bots qui sont morts. Désolé, j'étais pas là pour vous sauver. Mais attendez, mais en fait, vous êtes pas de ma famille parce que vous avez été enlevé il y a pas longtemps. Hein. Donc non, c'est des randoms, on s'en fout. Oh, 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 oh. Waouh. Bah, mec, c'est le mec le plus facile à sauver qu'on ait eu de tout le monde. Il était littéralement au beau milieu de la route. Bon, il était un peu sur la gauche. Il était sur le teco. Je m'en fous. Mais attendez, mais j'aurais jamais assez de pièces, là. Bah assez de pièces, j'en ai quand même 2300. Mais normalement on a 500 pièces par niveau.
Là, ils ont pas respecté leur réglementation. La vengeance du squelette? Ah, pas du... Ah, si! Capitaine Shortfuse, ah ouais! Ah non, mais je suis désolé, mec. Je voulais pas te jeter dans le vide, hein. En fait, je voulais m'amuser avec toi, mais malheureusement, il s'est passé un truc qui est hors de ma portée. J'ai pas fait exprès. Bon, après, il a l'air toujours très nul, hein, donc... Ok. Oula, ça tire où, là? Non! J'ai trop bien réagi. C'était chaud, mais je l'ai fait. Quoi? J'ai pas compris s'il fallait taper dans l'œil ou dans son cache-œil. Quoi? J'avais appuyé sur le bouton. Moi, j'imagine que tu recommences le combat du début quand il se passe ça. Vas-y, mec, nous on y va. Allez! Fais apparaître tes plateformes! J'attends, j'attends. En même temps, s'il faisait pas apparaître ses plateformes, on pourrait pas le tuer. Mais bon, comme il est con. Là, on est en mode speedrun. Vas-y. Ouah, ouah, ouah. Oh non, c'est pas encore la malédiction. De la première fois, je m'en sors très très bien. Je fais une connerie et je meurs. Et après, genre, je suis que de mourir avant. Enfin, avant l'endroit où j'étais. Heureusement que mon deuxième prénom, c'est Patience. C'est pas du tout Patience, mon deuxième prénom. Je m'appelle Thomas Jean Ivanoé Léon. C'est pas une blague. C'est vraiment comme ça que je m'appelle. C'est un peu étrange, hein. Enfin, ça fait beaucoup de noms, quoi. T'as tué ton pote? Ah non, même pas. Je l'ai tué pour les pièces. Hein. Je sais pas du tout si je fais ce qu'il faut. Hein. Vas-y, on va rester comme ça. Yes! Ah, ok, ok. Et c'est tout? Donc en fait, je suis littéralement mort alors que c'était la toute fin. Va-t-il être vraiment mort? Ce serait trop drôle que... Ah, si j'étais resté en dessous, je serais peut-être mort, par contre, moi. Ce serait trop drôle que ça devienne un personnage récurrent dans les autres Astrobots. Parce que, genre, il est goofy et tout. Surtout qu'en plus, on a vu, il a un corps minuscule. C'est quoi le bonhomme qui est à droite, là? Ah non, c'était mon pouvoir. Je me disais que j'avais loupé un bot. Yes! Bon, on n'aura pas eu 500 ici. Mais 2425, c'est quand même pas mal, non? Surtout qu'on n'a pas terminé tous les niveaux. Il y a les niveaux secrets qui restent. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas, comme d'habitude, hein, tu connais les mots de la fin, de liker, commenter, partager, t'abonner, bien mettre la cloche. De temps en temps, on est en live sur le jeu, à moins qu'on l'ait déjà terminé. Donc n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil sur Twitch et même sur YouTube, il y a les lives ici. Mais sur Twitch, c'est encore mieux. Hein. Voilà, et à la prochaine. Salut!